Hello. You want me to do an intro? I'm really good at it now. What's your YouTube channel? Antoine's Meat Team. Ready? Hello, my name is Gloria. Welcome to Antoine's YouTube channel. We are in the lovely Danyang, and we're gonna do the hike to Biribong Peak in Sobaksan National Park. Right now we are just in the camping area, so we're gonna cross it and get hiking. Let's go. Ce qui est fou, c'est que je regardais sur Google, peut-être qu'il faut que je regarde mieux sur Naver. J'ai regardé sur Google en anglais et en coréen, et impossible de trouver à Danyang des endroits où on puisse se baigner comme ça. À chaque fois, je trouve pas. Ils mettent juste les activités touristiques à faire, etc. Et ils mettent pas les spots comme ça de rivière où on peut aller se baigner. Et certes, il y a du monde, c'est pas les spots cachés, mais en soi, tu te poses ici, il y a plein d'espèces de petites piscines qui sont créées avec, naturellement avec la rivière. Et là, on doit monter, on va continuer parce que là, on est un petit peu sur l'endroit balnéaire, on va dire. Oh, c'est trop bien, mais pour les enfants. Ce genre d'endroit pour les enfants avec le pique-nique, etc. Vous avez une petite rivière, comme ça, vous n'avez pas peur qu'il se fasse mal. C'est vraiment génial de chez génial. So nice, this kind of place. The water, even though it's like really shallow, you're still wearing like life jackets. Yeah. Est-ce qu'on est au bon endroit? On est juste en train de continuer comme ça le sentier. Il y a plein de rivières en contrebas qui sont magnifiques. Mais je sais pas si on... Je crois qu'on arrive vers le début du hike. Centimeters, wash your hands. So nice, so you can get spray for bugs. You don't have bugs that come to you. So nice. Hey, you just stepped in. Whoa, my bug just died. I don't think. Okay, ready. I hope this is the right way. Yeah. 2 o'clock, 2 o'clock limit. In summer, so it's 1:15 okay. Right now, so we're okay. Okay. Parce que oui, en Corée, vous avez des limites de temps pour pouvoir monter. Parce qu'en fait, ben, ils disent, oui, après il va faire nuit, les gens ne savent pas s'ils peuvent se blesser la nuit, etc. Donc encore une fois, c'est le genre de truc en Corée qui est assez chiant. Même si c'est pour sécuriser, on va dire, les gens, c'est chiant parce qu'on se sent un peu bloqué à ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on veut. C'est trop beau et là vous avez une piscine naturelle qui est magnifique et c'est interdit d'y aller en fait. Tous les espaces naturels comme ça, c'est pour ça que tous les Coréens ils sont au même endroit. C'est interdit d'y aller, vous pouvez avoir des amendes si vous passez par là. Mais c'est parfait, it's exactly what we people are looking for. It looks like the perfect place to go into the water. Bon, c'est pour ça que ça reste aussi joli hein. De pas avoir le droit d'y aller, c'est quand même très frustrant. Do it. Ah, oh, ça a l'air parfait. Je crois que j'ai trouvé un sujet. À la manière du Romain, du coup, plutôt que de faire des paysages un petit peu global
sont pas forcément faciles à prendre en photo à cause de l'amas de détails qu'il y a partout. C'est plutôt de mettre en valeur un sujet en particulier. Donc ici par exemple cet arbre qui sort de la lumière grâce au petit rayon de soleil qui est au-dessus, et tout le reste est assez ombragé, ce qui fait qu'on a un joli contraste. Par contre au niveau des réglages, je pense que je vais utiliser l'appareil photo numérique pour voir ce que ça donne, parce que je serais pas sûr du résultat avec le petit truc pour calculer. Normalement j'utilise ça pour contrer les lumières, mais ici je suis pas sûr que ça va être très très pratique à utiliser. Il est joli. Donc il y a quand même quelques serpents. Oh, it's moving fast. Normalement ça devrait être pas trop mal. Il y a les petites racines blanches qui ressortent du lot. Ça permet d'avoir un sujet en premier plan qui ressort un petit peu du fond un peu sombre. Et vous avez toujours des petits endroits comme ça avec le soleil qui perce les branchages pour avoir quelques lumières. Je pense qu'il peut y avoir un sujet plutôt sympa. On va voir, je vais voir ça. On a pris les petites barres protéinées, céréales, etc. Ils jouent beaucoup sur la com barres protéinées en Corée, et vous en trouvez de partout. Ça va aussi avec tout ce qui est gym, les sports, les salles d'entraînement, etc. On dirait qu'on arrive à un checkpoint. Ah mais, il y a même des toilettes. Sur tous les bâtiments, les temples, etc. Vous avez toujours des tonnes et des tonnes de banderoles comme ça qui gâchent le paysage. C'est insupportable. Mountains there, so nice. That is exactly the amount of sun I wanted and clouds. Yeah. Billabong, Billabong. 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 Beautiful. Oh, it's crazy. C'est fou. Bien en hiver là, en été je veux dire, en Corée tout est vert vu que c'est la saison des pluies.
Et là, ces nuages au fond. J'ai hâte de pouvoir faire quelques photos là. On va avoir de la texture, j'espère juste qu'ils vont pas trop bouger le temps qu'on arrive là-bas. Mais il y a des paysages avec des nuages de l'autre côté, ça a l'air incroyable. Et cette vue là aussi, ça fait partie des plus belles vues que j'ai vues en Corée. J'ai pas fait des tonnes et des tonnes de hike, mais Danyang, ça vaut le coup franchement. Do you know what you think about it? Is it worth it to come here to Danyang? So far, it's so good. But look at the clouds there, it's so crazy. So beautiful. Really refreshing too. It's a nice breeze. Wow. So nice over here. C'est trop beau, putain. Your camera is okay here? You don't want me to hold it or something? C'est magnifique, en même temps, ça fait presque peur, voir à quelle la vitesse ces nuages avancent là. Bon, je voulais prendre mon temps pour faire des petites photos et vous parler un petit peu des photos, mais il se trouve qu'il y a quand même pas mal de nuages qui sont arrivés, et dans le doute, on va commencer à rentrer là directement. J'ai quand même Gloria qui m'attend, qui fait que me dire « let's go, let's go, let's go ». Mais je suis content, je pense que j'ai pu avoir d'autres choses. Ah, je suis crevé là, juste d'avoir marché là. Fatigué. On y va? C'est parti? Parti! Le mood a totalement changé, mais... Ça reste néanmoins super joli, juste à voir comme ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la pellicule que j'ai utilisée, c'est une pellicule que j'ai achetée... de Taïwan, que je me suis fait envoyer en Corée. C'est une Kodak Vision, je sais plus. Je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est de la 200T. Donc on va avoir une ambiance un petit peu différente, avec un mood un peu spécial pour les photos. Vous avez déjà vu, moi il faut encore que je les découvre. En roulant le film là, à la fin, ça a un petit peu forcé, donc j'espère que tout va bien, que je vais pouvoir récupérer les photos correctement. On croise les doigts, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine. Ciao. C'est parti. Ciao. My hair probably looks so crazy. I look like I've been living out in the wild for all my life. Yeah, somewhere here and there, I was behind. Let's go. Okay. Let's go.